Baludio. 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 Votre guide au creux de l'oreille. Baludio, ce sont des visites guidées sonores et immersives, notamment dans l'univers de D'Artagnan. Alors, pour mettre vos enfants dans l'ambiance avant de visiter les sites gersois, je vous invite à fabriquer avec eux un costume de mousquetaire. Vous pourrez ainsi venir déguisé à Lupiac, Hoche et Condon pour vous plonger dans la vie de D'Artagnan et de ses compagnons. Si vous avez des talents de tailleur ou de couturière, vous pouvez bien entendu vous lancer dans une confection haut de gamme. Mais vous allez voir, on peut déjà faire beaucoup avec des matériaux de récupération. Et surtout, impliquer les enfants dans la réalisation de leurs propres costumes. Jetons un œil sur l'imagerie traditionnelle des mousquetaires. D'abord, la casaque. C'est un vêtement ample qui couvre la poitrine et le dos. Pour la reproduire, vous pouvez par exemple utiliser une serviette de toilette. Vous la pliez en deux et vous y découpez une encolure pour passer la tête. Dans le même esprit, vous pouvez sacrifier une tête d'oreiller ou un drap, uni de préférence. Vous vous rêvez au service du roi ? Optez pour le bleu. Vous vous imaginez à la botte du cardinal ? Optez pour le rouge. À défaut de tissu à recycler, vous pouvez utiliser des rouleaux de nappe en papier à découper à la bonne taille ou un sac en papier de grande taille fourni par certaines enseignes. Après l'avoir retourné, vous coupez les anses et vous ouvrez l'encolure et les côtés. Vous pouvez couper les ailerons sur les côtés ou bien les laisser en place car cela correspond à une réalité historique. Les casaques avaient initialement 4 pans, mais ils gênaient les mousquetaires lors des combats. Quelle que soit la matière de votre casaque, vous pouvez bien entendu la décorer. Pour les puristes, l'ornement principal sera une croix blanche aux extrémités en forme de fleur de lys. Dans les angles, 3 flammes rouges ou bien 5 flammes jaunes. Vous pouvez bien sûr opter pour un motif plus simple. Une fleur de lys ou un cœur feront très bien l'affaire. Collage, dessin, peinture, laissez libre cours à votre imagination. Votre casaque est prête. Il vous faut maintenant un couvre-chef. Vous trouverez en ligne de nombreux tutoriels pour fabriquer des chapeaux en carton. Mais vous pouvez aussi partir d'un chapeau estival à large bord et l'orner à votre guise. Le chapeau des mousquetaires disposait de grandes plumes, mais vous pouvez aussi y placer des fleurs ou des rubans selon ce que vous avez sous la main. Vos enfants seront sans nul doute vous souffler d'autres idées pour améliorer cet équipement. Une ceinture pour servir de baudrier, des bottes, que sais-je encore. En créant ce costume en famille, vous amorcez le plaisir que vous partagerez lors de la visite qui suivra. Rendez-vous à Lupiac, Hoche et Condon pour prolonger l'aventure des mousquetaires et immortaliser ces moments inoubliables.